Comment tu fais pour t'en sortir dans tout ce guibubi? T'as zone de Richard à dire. t'as des astuces pour te repérer? Oui, je suis des convoyeurs. Ça paraît con, mais en fait, j'ai la capacité de savoir en fait quelle machine produit quoi. Et si jamais je ne me repère pas, en fait, je prends tout simplement la machine qui produit tel truc. Et je suis un des convoyeurs de la ressource dont il a fait pour savoir lequel c'est. Mais ouais, j'ai toujours. J'ai toujours cette capacité à, malgré qu'il y ait du bordel, à pouvoir quand même réussir à m'en sortir. J'arrive. Ouais, j'arrive à m'en sortir en fait. C'est juste ça, j'arrive juste à m'en sortir. C'est vraiment ça le truc. Je suis quelqu'un qui arrive à m'en sortir. Ma méthode YOLO, exactement. Ouais, après c'est vrai qu'il y en a plein qui disent « Ouais, mais faites des constructions simples, faites des constructions droits et tout ça. » En plus, il y a des outils. Et c'est vrai, il y a des outils pour faire en sorte que tout soit droit et tout ça. Mais le truc, c'est que quand tu commences Satisfactory, tu n'as pas de quoi créer les fondations qui te permettent de faire des trucs propres. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir des fondations. Les fondations, ils arrivent plus tard. Donc du coup, tu commences en mode YOLO, et à force de faire des trucs YOLO, dès que t'as des trucs qui te permettent de faire des trucs droits et tout ça, bah, trop tard, du coup, tu continues à faire des trucs YOLO. Voilà, tout simplement, c'est le problème avec Satisfactory, c'est vraiment... tu peux pas faire autrement que de faire YOLO, parce que le jeu te donne pas, dès maintenant, les trucs qui te permettent de faire des trucs corrects.